Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors, donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. On va vivre ensemble ce match passionnant de Real Madrid contre Al Hilal. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, l'imprévu, c'est cette attente qui nous chatouille. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. Les joueurs qui débutent donc côté Real Madrid, titulaire dans le but, c'est Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger avec Alaba en défense centrale, Toni Kroos sera épaulé par Modric au milieu et en pointe Karim Benzema. Il y a du champ pour le Real Madrid sur le côté. Et ça joue vers Benzema. C'est récupéré par le Real Madrid. Ah, bien sûr qu'il y a faute. C'est donc un coup franc. Ah, le ballon sort en corner. En deux temps. Et attention, son ballon dangereux. Le deuxième poteau pour ce centre. Oui, c'est bien défendu. Et donc le ballon est éloigné. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Et le ballon change de camp. Alors l'arbitre revient à la faute parce que l'avantage n'a pas profité. Fede Valverde avec le ballon et peut-être Vinicius pour reprendre. Le Real qui va tenter de porter le danger. Excellente intervention du gardien. Le corner de Kroos. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. L'occasion pour mener et ça rentre, voilà le premier but, l'ouverture du score, c'est logique après une grosse domination. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé !
le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Bonne progression dans le camp adverse. Ah dommage, parce que ce ballon, oh le pénalty. Et oui, l'arbitre qui montre le point de pénalty. C'est l'occasion de revenir à égalité. Et l'arbitre décide de mettre un simple carton jaune. La double peine n'était pas loin. Et ça rentre, très bien frappé ce pénalty. Et avec ce but, score de parité, un partout. Mendy. Ça arrive pour Alaba. Rüdiger. Ah, bien joué dans la profondeur. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Le corner. L'intervention est ratée. Il y a toujours le feu dans la défense. Oui, bien défendu. Le ballon est récupéré. Toni Kroos. Et Toni Kroos qui progresse. Sans doute Benzema pour reprendre. Ah, le ballon est perdu. Ah oui, excellent ballon. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et un corner capté sans difficulté. Les statistiques, elles nous disent que c'est un match où les deux équipes ont beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui agite l'imagination. L'émotion, elle vient du risque, de la créativité, du rythme, de l'intensité. Très facile pour le gardien, cette balle. Le Real qui peut se projeter dans le camp adverse. Attention pour mener au score peut-être. Et un arrêt qui fait du bien. Le corner de Toni Kroos. Un corner mal tiré. Et c'est facilement capté par le gardien. Aurélien Tchouaméni avec la balle. Et maintenant Luka Modric. Ah, le ballon récupéré grâce à ce bon tacle. Et une occasion de contre à négocier. Une minute d'arrêt de jeu. Face à face avec le gardien. Oh, il repasse devant avec ce but. C'est la révolte. Après l'égalisation, c'est un but au mental pour reprendre l'avantage. Regardez, il est magnifique ce que passe laser. Il est télédirigé et il vient ouvrir tout à la défense. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon dire. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Karim Benzema, c'est vraiment époustouflant ce qu'il réalise aujourd'hui. Déjà deux buts en plus pour ses stats personnelles. Il est lié avec le danger, il s'est marié avec le risque. Le début de la deuxième période et pour le moment tout va bien pour le Real avec ce but d'avance. Vinicius dans le couloir, il a de l'espace.
le corner pour le Real Madrid, un but là, et ça serait évidemment une bonne manière de se mettre à l'abri. Et c'est joué par Toni Kroos. Oh là là, dégagement complètement loupé. Ballon pour Rudiger. Ça revient sur Luka Modric. Ouais, c'est contré, bonne défense. La défense prend le dessus, le danger est écarté. Quelle erreur, le ballon est rendu directement aux adversaires. Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Corner. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Ouais, c'est bien vu cette passe. Avec Karim Benzema. Karim Benzema, pas de but sur cette énorme occasion. Et toujours un seul but d'écart entre les deux formations. Il va falloir penser à se mettre rapidement. À l'abri. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Ah, il est loin. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté. Toujours ce petit but de retard. Toni Kroos. Ah oui, excellent ballon. Oh, attention. Et finalement, c'est sans danger pour le gardien. Et c'est Vinicius là, qui a le ballon. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Luka Modric. Et voilà ! Goal, 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 goal ! Les Merengues creusent l'écart. Deux buts d'avance maintenant. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et pour conclure, une bonne frappe petit côté. Le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Et donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Michael. Allez, il y a un peu de champ dans le couloir. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Le changement est demandé et il a lieu. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Ah, c'est un ballon pour les gants du gardien. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Oui, le tir. Eh ben non, là, sans problème pour Thibaut Courtois. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Les stats et la possession sont en faveur du Real Madrid. C'est bien joué, ça. Et c'est au fond, quelle performance. Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout le réussit depuis le début du match.
Ouais, le match qui reprend et donc le Real qui est largement au-dessus, 3 buts d'écart. Et ça joue sur Fede Valverde. Et ça joue vers Benzema. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Et l'équipe reprend la possession. Changement du côté du Real Madrid. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. La défense est battue. Et ça chauffe encore. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Quelle contre-attaque. Regardez un peu. Il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération. Tout y est. Ensuite, la conclusion est parfaite. Ça ressemble à une petite scène de théâtre. Je fixe, je trompe et tu marques. L'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. L'arbitre laisse l'avantage. Ouais, non, l'arbitre avait laissé jouer, mais il revient finalement à la faute. Et c'est capté sans souci pour Thibaut Courtois. Ferland Mendy. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Attention avec ce ballon dans les 18 mètres. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Oh, la bonne parade. Le corner de Kroos. Non, dégagement manqué et attention, peut-être une nouvelle occasion. La grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là. Le coup de sifflet final donc dans cette rencontre, on va en rester là avec une victoire à domicile. Voilà, c'est une magnifique prestation. On a eu de la passion, de l'émotion, de la beauté et des buts. Karim Benzema qui a encore signé un très grand match. C'est vraiment un joueur inouï. Quel crack. Le pied chaud, l'esprit est en effervescence. Le public est en extase. Triplé. Toutes les lumières s'allument autour de son nom et c'est normal. Et ici l'occasion pour mener. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, dommage, parce que ce ballon là est gâché. C'est une occasion en or. Et ça rentre, très bien frappé ce penalty. Une minute d'arrêt de jeu.
face à face avec le gardien. Oh, et il repasse devant avec ce but. C'est la révolte après l'égalisation. C'est un but au mental pour... Et c'est Vinicius là qui a le ballon. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Luka Modric. Et voilà ! Goal, 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 goal ! Les Merengue creusent l'écart. Deux buts d'avance maintenant. C'est bien joué, ça ! Et c'est au fond, quelle performance ! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. La défense est battue. Et ça chauffe encore. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Oh, la bonne parade.